Le retour des réfugiés ivoiriens et la paix à la frontière ivoiro-libérienne au centre d'un conclave au Libéria. Une rencontre à laquelle participe le président de la République, Alassane Ouattara. Journée mondiale de l'alimentation en Côte d'Ivoire, la célébration officielle se tient aujourd'hui à Boisflay. Enfin, législative en Guinée, le parti du président Alpha Condé en tête. Des résultats contestés par l'opposition. Bonsoir à tous et merci d'être sur RTI2 pour ces 15 minutes d'information. La stabilité à la frontière ivoiro-libérienne au cœur d'une réunion à Zouédrou au Libéria. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe à ce conclave qui réunit le Libéria, l'ONUCI et la MINUL. La question des réfugiés ivoiriens au Libéria sera également abordée. Pour rappel, plus de 50 000 Ivoiriens sont encore réfugiés dans ce pays depuis la crise post-électorale. Et en bref, la force française Licorne, qui est aussi à cette rencontre, a depuis hier un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Stéphane Caille succède au colonel Rémi Bouzereau. Ce dernier s'est réjoui de l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le pays est passé de l'indice 4 à 1. La journée mondiale de l'alimentation, c'était le 16 octobre dernier. En Côte d'Ivoire, les festivités se déroulent aujourd'hui à Boisflay avec une thématique axée sur le gaspillage alimentaire. Justement, parlons-en, tandis que certains manquent de nourriture, d'autres la jettent à la poubelle. Illustration dans ce reportage que connaît par Gassoro avec le récit de Thomas Guissambi. Pour le repas de midi, Kone Alima et sa sœur sont obligés de se partager le contenu d'une assiette, les moyens financiers faisant défaut. Leur leitmotiv, ne rien laisser, ni dans l'assiette, ni au sol, ce serait du gaspillage, alors que d'autres en ont besoin. On achète ce qu'on arrive à tout manger. On ne veut pas acheter et puis on laisse le reste. Il y a deux personnes qui ne mangent pas. Même pour gagner de l'argent, même pour acheter une nourriture pour manger, ne gagne pas. Éviter le gaspillage, une opinion partagée par Bamba Kassim. Oui, en tout cas, moi, je mange tout. Mais par contre, il y a certaines personnes, eux, ils mangent un peu, ils restent le reste. Depuis le matin, il y a d'autres même qui cherchent à manger depuis le matin, ils n'ont même pas à manger. Selon la Banque mondiale, chaque jour sur Terre, une personne sur sept dort le ventre vide. Des données dont une frange de la population n'a pas encore conscience, trop occupée à jeter le trop-plein de nourriture à la poubelle. Il y a les gens qui viennent manger, ils mangent tout. Il y a d'autres qui ne mangent pas tout. Les filles, là, quand ils viennent, ils mangent un peu et puis ils restent un peu. Les clients qui viennent acheter la nourriture, il y en a qui finissent, il y en a qui ne finissent pas. Bon, le reste, on verse, met ça dans la poubelle. Les gens qui viennent récupérer ça, ils vont donner son poc d'après eux-mêmes. Pour les religieux, le gaspillage de la nourriture est une pratique interdite. Ils invitent alors au partage et à une consommation juste et équilibrée. Dieu nous indique que vis-à-vis de la nourriture, notre rapport doit respecter non seulement le bien commun, mais respecter ce que nous pouvons consommer. Notre crainte de Dieu doit se manifester dans ce respect de la nourriture en l'occurrence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Il dit mangez, mais ne gaspillez pas. Donc la nourriture, c'est quelque chose qui est très précieux. Donc on doit la protéger et puis la bien garder. Donc l'islam nous recommande de manger selon le besoin du corps. Gaspiller, un péché donc, et nombreux sont les consommateurs assis à donner à cœur joie. L'expérience de la Côte d'Ivoire exportée à l'étranger, le Fonds interprofessionnel pour la recherche agricole de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, le FIRCA qui était invité à un atelier en vue de partager son expérience en matière de financement, de recherche et d'innovation. Thomas Guissambi. Invité par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRI du Burkina Faso, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole de Côte d'Ivoire, FIRCA, est allé partager son expérience en matière de financement pérenne des services agricoles avec les homologues du Burkina. Le FONRI entend regrouper les acteurs du développement, les chercheurs, les innovateurs et les décideurs politiques autour de l'expérience ivoirienne. On a découvert sous tous les angles toute l'expérience du FIRCA. Le directeur exécutif a fait émerger des idées nouvelles, notamment une collaboration sous-régionale pour permettre d'attaquer au niveau de certaines institutions comme l'UMOA, l'Union africaine, même la CDAO. Je pense que ça c'est une très bonne idée, c'est une idée géniale et je pense qu'on va travailler à cela.
Le docteur Anima Akapierre, directeur exécutif du FIRCA, conduit la délégation ivoirienne. Il dit être heureux d'apporter et de partager le savoir-faire du FIRCA. Après 3 jours de réflexion et d'échanges, tous ont convenu des projets prioritaires de développement et la mise en œuvre d'autres fonds pour le financement des services agricoles dans la sous-région, comme cela se fait à l'échelle nationale avec le FIRCA. On évoque à présent cet appui du Japon à la Côte d'Ivoire. L'agence de coopération japonaise vole au secours de la filière agricole. 1000 riziculteurs vont bénéficier d'une formation. Le coût du projet est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Noël Nianyo. Produit du riz local en quantité et en qualité suffisante pour combler progressivement le déficit de 50% d'importation de riz. Le coût d'accélérateur est donné par l'agence de coopération japonaise. Un document est signé à cet effet. Il stipule que 1000 producteurs des régions du Gbeke, du Bélier et du district de Yamoussoukro seront formés. Ces producteurs répartis en 40 groupes de 25 riziculteurs exploiteront 554 hectares par an pour un rendement attendu de 5 tonnes à l'hectare. Coût du projet, 3,5 milliards de francs CFA. La production attendue est de 1800 tonnes de riz par an. Une performance saluée par la partie ivoirienne. Vous pouvez être autosuffisant, vous avez de quoi manger. Mais si ce que vous mangez n'est pas produit par vous-même, vous n'êtes pas souverain. C'est la raison pour laquelle l'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons la possibilité de produire tout ce que nous consommons. Et c'est ce qui est le cas du riz. Nous avons des pays voisins qui n'ont pas la même chance que nous du point de vue conditions agroécologiques. Donc la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, a été déjà identifiée comme étant un pays qui doit pouvoir supporter les pays voisins en matière d'autosuffisance alimentaire. La partie japonaise s'est dite heureuse et fière de contribuer à la sécurité alimentaire des Ivoiriens et au repositionnement de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un expert japonais, Dr Naniya Nakashi, est mis à la disposition de la direction de la planification, de la programmation, du financement du ministère de l'Agriculture pour 2 ans. Direction le marché à bétail du district d'Abidjan. Plusieurs jours après la tabaski, l'on remarque qu'il y a encore beaucoup de moutons sur le parc à bétail. Les commerçants s'attellent à ramener leurs bêtes au bercail. Que s'est-il donc passé? On le saura grâce à Thomas Guessambi. Approvisionné plus qu'il en fallait cette année pour la célébration de la tabaski, le marché de bétail du district d'Abidjan, on aurait dit, n'a pas trouvé client. Les vendeurs de bétail, pour la plupart venus des pays de l'Interland, repartent avec leurs bêtes. Je n'ai pas pu vendre, donc je me suis là chargé pour retourner. Un camion prend 300 têtes et les enclos ne pouvaient contenir que 80 têtes. Donc il fallait pour un camion avoir 3 enclos pour pouvoir loger son bétail, ce qui revient à 540 000 francs pour un opérateur. C'était trop. Ils sont plus d'une centaine dans la banqueroute. Leur recours avant l'ultime décision qui serait de tourner dos au marché ivoirien, les organisations professionnelles proches de l'activité. Cette année, les gens n'ont pas pu acheter des moutons puisque les prix étaient élevés. Et ces commerçants du bétail viennent de nous donner les détails de tout ce qu'ils ont enduré au niveau de l'abattoir de Port-Boué. À l'arrivée seulement, on leur a demandé de payer 180 000 francs pour la location de l'enclos. Cela relève du racket, il faut le dire, parce que ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. On voit un reçu d'une société qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui vient prendre 180 000 francs à chaque commerçant vendeur de bétail. Alors nous pensons que ce genre de choses doivent s'arrêter en Côte d'Ivoire pour que les consommateurs puissent vraiment acheter à moindre coût. En tout cas, vendeurs et acheteurs se redonnent rendez-vous l'année prochaine, toujours avec pour arbitre du marché le pouvoir public. Autre chose à présent et en image, Ebony 2013, la soirée qui dévoile chaque année le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, se déroulera le 28 décembre prochain. Cérémonie de lancement de l'événement hier à la Maison de la Presse. Le dépôt des différentes productions des candidats s'effectuera du 18 octobre au 18 novembre. Alors après Marceline Proust l'année dernière, qui sera cette année le Super Ebony, on le saura le 28 décembre à la soirée des Ébonies. Cette année, des innovations sont annoncées. On écoute le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Moussa Traoré.
cette année, nous allons recevoir le directeur général du journal Le Monde, M. Louis Dreyfus, qui a accepté de venir à Abidjan. Également, nous recevrons comme invité spécial le président de la Fédération internationale des journalistes, c'est M. Jim Boumela. Donc nous l'attendrons également à Abidjan. Et au niveau des autres innovations, nous avons de nouveaux prix sectoriels, comme le prix du meilleur journaliste culturel qui est offert par le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Banama Maurice. Des nouvelles de l'étranger, d'abord en Guinée. 3 semaines après les législatives, tous les résultats provisoires sont enfin disponibles. Le RPG, le parti du président Alpha Condé en tête, des résultats contestés par l'opposition. 3 semaines, il aura fallu 3 semaines de dépouillement pour en arriver à cette annonce. RPG arc-en-ciel, nombre de sièges à l'uninominal, 18. Nombre de sièges proportionnels, 35. Sièges obtenus par parti, 53 députés. Derrière le RPG, les partis de l'opposition obtiennent aussi, tous réunis, 53 sièges, dont 37 pour l'UFDG de Sélou Dalène Diallo. Un score tendu qui n'accorde pas de majorité franche au RPG. Pour dominer l'opposition, le parti au pouvoir ne pourra pas faire sans ses alliés et leurs 7 sièges. Nous sommes satisfaits pour l'instant. Nous attendons les réserves que nous avons portées au niveau de la Cour suprême pour attendre et de voir ce que nous aurons en définitive. L'opposition maintient qu'il y a eu fraude et conteste ces résultats provisoires. Nous avons dit que nous avons décidé néanmoins d'adresser nos réclamations appuyées des preuves irréfutables que nous avons réussi à collecter. Et nous attendrons donc la décision de la Cour suprême pour décider des actions à mener pour réagir le cas échéant. Saïd Djinit a appelé à la sérénité, mais le facilitateur du dialogue en Guinée craint, comme beaucoup, de nouvelles violences si l'opposition appelle à manifester. Sélou Dalène Diallo ne l'a pas exclu. La capitale reste donc sous haute surveillance. Et puis en République démocratique du Congo, l'on s'acheminerait vers un accord entre le pouvoir et les rebelles du M23. Avancée significative, accord imminent, des informations positives circulent à Kampala dans les couloirs de l'hôtel où se déroulent les pourparlers de paix intercongolais. Les représentants du gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 seraient proches d'une solution. Assurer l'amnistie des ex-mutins sans accorder pour autant l'impunité aux responsables de la rébellion, cette apparente contradiction semblait jusqu'à présent indépassable. En République démocratique du Congo, où un hélicoptère des casques bleus a essuyé des tirs hier, les rebelles du M23 pointés du doigt par l'ONU. En Afrique du Sud, les obsèques de 2 fillettes, elles ont été violées puis étranglées dans des toilettes publiques. La colère a laissé la place à la tristesse. Samedi, à Dieppe Sloot, un faubourg déshérité de Johannesburg, pour les obsèques de 2 fillettes retrouvées violées et étranglées dans un WC public. Vendredi, des habitants du quartier avaient manifesté leur colère devant ces nouveaux drames et la police avait dû intervenir pour amener le calme. Les enquêteurs annoncent que 5 suspects ont été appréhendés dans cette affaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.